Alors mon ami, tu as aimé la soirée qu'on venait de passer ? Tu sais, j'ai beaucoup adoré. Et tous les endroits où tu m'amènes ces derniers temps-ci sont vraiment tout top. Je te remercie vraiment pour tes invitations. De rien. On est ensemble. Nous allons te déposer devant ta maison comme d'habitude. Ok, ça marche. Franchement, je commence à être fatigué de ma femme, car elle ne m'écoute plus du tout dans cette maison. On dirait que je ne servais plus à rien pour elle. Franchement, je n'admire plus du tout son comportement. Pour cette fois-ci, je ne la pardonnerai guère. Je la renvoyerai de ma maison, car je ne peux vraiment plus me le sentir. Mais comment peut-on sortir avec ses amis en boîte sans prévenir son mari ? Bonsoir chérie. Bonsoir, et d'où venais-tu, comme ça ? Je suis juste allée m'amuser avec mes copines. Ne t'ai-je pas refusé la dernière fois de ne plus sortir sans me prévenir ? Je suis libre de faire ce que je veux. Car je ne suis pas ton esclave. Je suis juste ta femme. Je t'avais toujours dit que tu n'étais plus célibataire, mais que tu étais une femme mariée, et que tu ne pouvais plus vivre ta vie comme tu la veux. Cependant, tu ne m'écoutes toujours pas. Je suis une femme mariée. Certes. Mais j'ai aussi le droit de profiter de ma vie. Car on ne vit qu'une seule fois. Je n'arrive plus à te supporter. Tu peux prendre tes affaires et sortir de ma maison. Car je n'aimerais pas rentrer en colère, comme la dernière fois. Je n'irai nulle part. Je suis ta femme. Tu n'as pas le droit de me mettre à la porte. Cela faisait plusieurs mois que tu avais commencé pas te rebeller contre mes paroles. Franchement, je ne te supporte plus. Sors de ma maison. Je refuse de sortir. Je ne veux plus de toi. Sors de ma maison tout de suite. Attends. Attends. Il faut qu'on discute. Je ne veux plus rien entendre. Sors de ma maison, un point, c'est tout. Je suis le capitaine de cette maison, et c'est moi qui commande. Il ne peut jamais y avoir deux capitaines dans un seul bateau. J'espère bien qu'elle a eu mon message et qu'elle accepterait de m'héberger, ma grande sœur. Il faut absolument que je quitte ici avant que la tension monte. Mais, qu'est-ce qu'elle a encore, ma petite sœur ? Elle venait de m'envoyer un message en me disant qu'elle allait venir chez moi. Que se passe-t-il encore entre elle et son mari ? J'espère qu'elle ne s'est pas encore disputée avec son mari. Car elle avait pour habitude de faire à sa tête et ne l'écoute pas quand il lui parle. Enfin, elle est finalement partie. Désormais, j'aurai la paix dans ma maison. Je ne voudrais même plus qu'elle revienne, car elle me causait énormément de problèmes. Comme je te le disais, grande sœur, voilà ce qui s'était passé entre moi et mon mari. Il m'avait mise à la porte et ne voudrait plus jamais me voir. Tu sais, je vais t'héberger pendant quelques jours, et par la suite, tu devrais chercher un logement. Je ne voudrais pas qu'on commence à se disputer aussi. Car tu es trop compliqué à vivre. Non, grande sœur, ne dis pas ça. As-tu oublié tous les problèmes que tu m'avais causés dans le passé, lorsque tu habitais chez moi ? Si tu avais écouté ton mari, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'avait pas le droit de me mettre à la porte comme ça. Je dois tout faire pour retourner dans mon mariage. Je n'aimerais pas qu'une autre femme me remplace. Je ne suis pas sûr que ton mari voudrait encore te reprendre. Aucun homme ne peut supporter une femme irrespectueuse et irritable. Regarde ton accoutrement. Tu ne ressembles même pas à une femme mariée. Comment une chrétienne pouvait-elle se comporter de la sorte ? C'est à cause de ton comportement que ton mari n'arrive pas à donner sa vie à Christ. Oui, je sais. Mais j'ai le droit de faire ce que je veux. D'accord. Voilà maintenant les conséquences de la désobéissance. Ah. J'ai une idée. Quelle est cette idée ? J'irai voir un marabout, afin qu'il puisse me confectionner un produit d'amour, pour que je puisse récupérer mon mari. Quoi ? D'où sors-tu cette idée ? As-tu oublié que tu étais une chrétienne ? Non. Je n'ai pas oublié. Tu sais, une de mes copines avait fait cette chose à son mari la dernière fois. Aujourd'hui, ce dernier l'aime beaucoup plus. Je ferai la même chose comme ma copine.
je te déconseille fortement cela. Car, ces choses ont des conséquences très néfastes à l'avenir. Je m'en fous des conséquences. Mon souci, c'est de retourner dans mon mariage. Je sais pertinemment que, si je n'agissais pas au plus vite, mon mari ne me reprendra plus chez lui. Pourquoi quand on te parle, tu n'écoutes pas ? Je suis assez grande pour faire ce que je veux. D'ailleurs, il faut que j'aille voir ce monsieur en même temps. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je t'aurais quand même averti. Oui, je sais, mais il faut absolument que j'aille voir ce monsieur tout de suite. Tu sais, sœur, il faut que j'aille mettre mon plan en action. À tout à l'heure. Tu ne veux vraiment pas m'écouter ? Je suis déterminée à récupérer mon mari, un point c'est tout. Bon, au revoir. Ma petite sœur est vraiment incroyable. Il n'y a que Dieu qui pourra les ramener sur le droit chemin. J'attends vraiment pour voir la fin de cette histoire. Comme je vous le disais, monsieur, voilà ce qui m'amène ici aujourd'hui. J'aimerais que mon mari m'aime davantage. Il a osé te mettre à la porte. Ne t'inquiète pas, dans quelques heures ton mari même viendra te chercher chez ta sœur pour te ramener à la maison. Son amour pour toi augmentera drastiquement. Il ne pourra plus rien faire sans toi. Tu deviendras sa raison de vivre. Super. Voilà ce que je voulais. Par contre, tu me donneras tous ses prénoms dans l'ordre de sa pièce d'identité. Comme ça, le travail sera bien fait. Avec grand plaisir. Il faut que j'aille chercher ma femme chez sa sœur. Car elle me manque énormément. Qu'est-ce qui m'avait même poussé à la renvoyer de la maison ? Je n'arrive plus à vivre sans elle. Alors ? Grande sœur, qu'est-ce que tu veux préparer ? C'est à moi que tu parles ? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ? J'avais trouvé certains produits bizarres dans ma douche. D'où sors-tu tous ces produits ? Ce sont des produits que le marabout m'avait donné hier, pour ma douche. C'est grâce à ces produits que je suis en train de briller ce matin. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ? Bien sûr. Mais qui est-ce qui sonne ? T'inquiète pas. Je suis sûre que c'est mon mari. Il est venu me ramener à la maison. Le travail du monsieur a commencé par agir. Ma chère grande sœur, je vais te dire au revoir. Car, dès maintenant, je vais retourner vivre avec mon mari. Tu es incroyable. J'espère que tu t'assagiras un jour. Oh ma femme, tu m'avais tellement manqué. Je suis venu te chercher pour que nous puissions rentrer à la maison. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma raison de vivre. Tu es sérieux ? Je suis très sérieux. S'il te plaît, rentre avec moi. D'accord. J'irai chercher mes affaires. Ok, ça marche. Cette fille est incroyable. J'attends la suite de cette histoire avec impatience. Bonjour belle-sœur. Bonjour. Je suis vraiment désolé de ce qui s'était passé entre moi et ma femme. Je te promets que cela ne se répétera plus jamais. Je l'espère bien. Prenez soin de vous. D'accord. Je suis très content qu'on soit à nouveau réunis. De même que moi. Alors ma cliente, qu'est-ce qui t'amène encore ici aujourd'hui ? Je suis venue vous dire que le produit que vous m'aviez donné avait bien fonctionné. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Oui. Mais mon mari est devenu très collant et très attachant à mon égard. Il me suit partout. Et franchement, je ne le supporte plus. Je ne peux plus rien faire sans qu'il ne m'accompagne. S'il est au travail, il ne fait que m'appeler à longueur de journée pour savoir ce que j'étais en train de faire. Et si je ne lui répondais pas, il débarquait à la maison, dans les minutes qui suivaient. Vraiment, je n'en peux plus. Si vous pouvez diminuer le volume de son amour pour moi, cela me ferait énormément plaisir. Je suis vraiment désolé, je ne pourrai rien faire pour toi. Quoi ? Eh oui, cocotte. Tu as eu ce que tu voulais, et tu dois l'assumer. Si jamais quelque chose de mal arrivait à ton mari, cela t'arrivera aussi. Tu dois savoir que tu es lié à vie à cet homme.
il n'y a que la mort qui pourra vous séparer. Maintenant tu peux partir, car il est en train de te chercher. Fais beaucoup attention à ne pas commettre une bêtise. Sinon, tu payeras très cher les conséquences. S'il te plaît, belle-sœur, dis-moi où se trouve ma femme. Car, cela faisait quelques heures que je l'appelais, mais elle ne répondait pas à mes appels. Elle ne m'avait pas dit où elle allait. Je ne supporte plus son absence. Je ne sais pas là où elle est allée. Elle reviendra tôt ou tard à la maison. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. D'accord, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui m'avait même poussé à faire cette chose sur mon mari ? Je suis fatiguée de lui. Je vais prendre quelques affaires et partir de cette maison. Si je pourrais la retrouver à la maison, cela me ferait énormément plaisir. J'ai vraiment hâte de la revoir. Je vais rapidement faire ma valise et quitter cette maison. Car je n'aimerais pas qu'on se croise. Ça va, chérie ? Où étais-tu depuis tout ce temps ? J'étais allée quelque part. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais comme ça ? Je suis en train de préparer ma valise pour partir de cette maison. Car je ne te supporte plus. Tu n'iras nulle part. Tu es ma femme. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je ne te supporte plus. Je suis fatiguée de toi. Tu m'étouffes. Arrête de me bousculer. Il n'y a que la mort qui pourra nous séparer. Tu ne m'empêcheras pas de partir de cette maison. Tant que je serai vivant, cela n'arrivera pas. D'ailleurs, accorde-moi quelques minutes, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ma voisine et son mari sont en train de se disputer comme d'habitude. À l'allure où vont les choses ? J'espère bien qu'ils ne se feront pas du mal. Mon mari est parti dans la cuisine. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a l'intention de faire. De toute façon, ma décision est déjà prise et elle est irrévocable. Je partirai de cette maison aujourd'hui. Rien ne me retiendra, il arrive. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet outil ? Dépose cela tout de suite. Aujourd'hui c'est terminé, notre vie va prendre une autre tournure. Crois-moi, tu ne joueras plus jamais avec les sentiments que j'ai pour toi. Non. Non. Ne me fais pas du mal. Tu as peur. On dirait que le voisin venait de faire du mal à sa femme. Il faut absolument que j'aille appeler la police. Chers frères et sœurs en Christ, la partie 2 de cette vidéo arrive très bientôt. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.